Allez, rebonjour le SLTV France. Donc, on se retrouve après cette courte pause pour le deuxième et dernier match de ce soir. Ça va être entre NiP et HR sur D2. Et je serai avec Droid 2K. Salut tout le monde, et effectivement, surtout après cette courte pause et surtout après ce court match qu'il y a eu, où les Français se sont fait éclater, on rappelle, 16-5 par les mêmes NiP sur Kubble. Du coup, on va espérer que les HR feront un meilleur match, hein, qui montrera un peu plus que les Français. Bon, les Français avaient bien sûr des circonstances atténuantes, mais ça n'explique pas tout. Et du coup, on est parti cette fois sur D2, une map beaucoup plus ouverte, on le sait, très basée sur le skill et surtout une map très aimée par les AWAPers. Alors là, on a sûrement Alu qui va clairement se faire plaisir. Donc, un match très intéressant. T'as un petit prono, Rico, à nous donner? Ou un petit prono, quelque chose comme ça? Alors, au niveau du prono, effectivement, au début du premier live, je disais que je ne savais pas trop que ça allait être assez équilibré. Là, vu comment sont les NiP, vu qu'ils ont l'air quand même assez chauds, je pense que c'est les NiP. Et toi? On est sur un B1, on est sur D2, même si les NiP ont été très chauds, c'était plus un échauffement qu'autre chose pour eux. Du coup, je serais presque tenté de dire une grosse performance des HR. Et pourquoi pas une petite victoire à erreur qui coûtera cher aux NiP et qui leur fera perdre par exemple un écho ou un truc comme ça. Du coup, pourquoi pas une victoire des HR? Effectivement, mais je pense que ça a été compliqué pour eux, alors que du coup, c'est justement, c'était les NiP qui ont gagné, si je ne me trompe pas, le cut round, puisqu'on était en train de discuter. Et du coup, le gun round qui va pouvoir commencer. Et déjà, du côté de ces NiP, on joue tranquillement, hein. On ne va pas rusher ni la GA, ni la corniche. Ni le site bombé, non, on va passer par les tunnels. On semble vouloir agresser, voilà, celui. Clairement, alors qu'on avait déjà POC Angel, hein, on aurait pu se dire qu'ils allaient agresser en vitesse, mais au final ils ne l'ont pas fait. Maintenant ils sont passés en smid. Le problème c'est qu'il n'y a pas de stuff et que du coup on se fait encercler de partout. C'est Angel qui va prendre le premier kill sur Forest. Dozia sur Xyzt, Adrenez sur Alu, Freiberg qui va even sur Adren et Kutcher qui va prendre le kill sur Gatrite. On est déjà en 4v1, même si Angel n'a plus qu'un HP pour faire chier l'autre. Ça va être très compliqué de mettre ce gun round pour ses NiP. Effectivement, hein, c'est surtout Kusher qui va mettre une grosse tête à Freiberg. 1 à 0 en faveur des HR qui commencent pas trop mal leur match. L'agression de NiP qui a été totalement interdite, hein, qui a été totalement repoussée par ces HR. Le manque de stuff y a fait beaucoup d'effet, à mon avis. Bah clairement on est arrivé dans ce mid sans stuff, du coup on s'est fait encercler de tout, hein. On a jump au city pour les HR et du coup ça fait très mal alors qu'on a encore Angel, hein, qui est encore POC en tout début de round. Cette fois-ci il se retrouve à 58 HP, c'est un peu mieux que tout à l'heure mais c'est quand même pas terrible. Cette fois c'est Getright qui va se faire POC à 60 HP, toujours 5v5, à l'avantage des PV pour les NiP mais à l'avantage des armes pour ses HR. Effectivement on a force buy, hein, du côté de cet héros. Alors que c'est Forest d'ailleurs qui va mettre la tête sur Mou. On est en 5v4. Voilà, on a déclenché sur cette, au niveau de cette corniche. C'est Dozia qui va prendre le bon kill sur Alu. 4v4. Forest sur Dozia. Adren sur Forest. Les kills qui s'échangent très très rapidement. Les revenge qui partent à une vitesse folle. On est en 2v3 en faveur de ces NiP. 1v3. Kusher qui n'a plus que deux tout petits HP. Et bien ça, c'est le Force by Fist de la part de ces NiP. Ouais, clairement c'est dommage, hein. Pourtant la bombe était tombée au city spawn, il y avait moyen de peut-être de la cover ou d'attendre que les joueurs passent pour les kills. Malheureusement du côté de Kutcher on n'avait plus que deux petits HP et on a des cales et du coup on est tombé. Alors qu'on va enchaîner tout de suite et on va force buy, hein, du côté des HR. On veut pas laisser le moindre round, hein, à ces NiP. Et totalement, hein, même si je suis sûr qu'ils vont pouvoir réitérer l'exploit, on peut dire, de ces NiP. Le souci que ces HR ont eu, hein, sur le round d'avant, c'était qu'ils sont allés se donner tout simplement au niveau de cette pente, City, un par un.
clairement. Alors que du coup, hein, y a déjà les kills qui ont été pris. C'est Alu là qui vient mettre le double shot au scout sur Angel et qui du coup a pris le kill. On se retrouve en 4v2, mais on a deux joueurs, Freiber notamment et Forest, qui peuvent très très vite tomber du côté de Cenip, vu qu'on a plus que 19 et 11 HP sur ces deux joueurs. Effectivement, alors que du coup, on est en train de se rediriger hein, tout doucement vers ce site bombé. Ça, c'est la bonne idée, puisqu'on l'a lâché totalement du côté de CHR. On a Dozia au niveau de ce mid. On a Mou au niveau de cette GA. Et du coup, le site bombé est totalement free. Ouais, ça a dû leur faire tout drôle en arrivant à Cenip. Hein. Ils s'attendaient à avoir un peu de résistance. Au final, ils sont rentrés comme dans du beurre, sans le moindre problème. Alors qu'on a Dozia qui aurait pu... Qui aurait pu croiser un joueur s'il était passé par le soloer, malheureusement il n'y est pas passé. À la limite que Mou et Echo, je veux bien, mais il n'a qu'un 5-7, Dozia c'est pas non plus... Le problème c'est que le round d'après, ils n'auront rien. Ils n'auront pas d'armes. C'est mieux d'économiser ça, et surtout c'est bien de ne pas leur donner de l'argent. Hein, tout simplement. Hein, c'est clair. Puisqu'il tombera à coup sûr s'il agresse Cenip. Du coup, 2 à 1, Cenip qui prennent l'avantage d'une courte tête d'un tout petit round. Clairement, alors effectivement, on passe forcément par la case écho du côté des HR, ça fait normalement le 3-1. Après, on n'est pas naïf, on se doute qu'il reste quand même un scout et un scout sûr, et on ne sait pas ce qui reste sur le dernier joueur. Mais on sait qu'il reste au moins une arme, du coup on va quand même pas être naïf, on va pas se donner. Et on emmène la bombe au niveau de cette GA, j'ai l'impression. Totalement, on a Kusher et Dozia qui vont avoir du travail à faire. C'est Xist d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Dozia, Get Right sur Mou. On est déjà en 3v5, 2v5 Freiberg sur Kusher. On est passé dans cette GA comme dans du beurre. Forest sur Adren, il ne reste déjà plus que Angel. Ça, c'est un perfect de la part de ces NIP, et ça fait toujours du bien au porte-monnaie. Clairement, et puis surtout Forest qui a eu la très bonne idée de rester dans le mid pour couper complètement la rotate. Même si elle aurait pas été très dangereuse, au moins on l'a coupé. Alors qu'on va sortir un premier AWAP sur Mou. Et en face, Alu qui va pour l'instant garder son scout, hein, il est pas mort, il n'y a pas de raison de le jeter. Du coup, premier round d'armée des deux côtés. Round qui va être déjà décisif pour la suite de ce match. Ah, totalement, hein, ça donnera un peu l'état d'esprit de ces joueurs des deux côtés. Alors que du coup, on est à Grèce très rapidement. Cette corniche, c'est Mou d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Freiberg. Il va se faire stuffer, il va devoir reculer au niveau de cette GA. Get right sur Kusher, Dozia qui va revenge instantanément son mate. La bombe qui va pouvoir être opposée pour cette corniche. Mais clairement, c'est bien joué. C'est bien joué, on s'est rendu compte qu'il y avait encore du monde dans cette GA, on n'a pas pris le risque de planter ne serait-ce qu'entre les caisses, on a planté directement pour la corniche. Du coup, on a Xist qui reste, et on a Angel qui a tenté le jump mais qui est tombé instantanément sous les balles de Forest. On a Drain qui est arrivé par City Spawn, il va tenter de mettre la tête, il va réussir à mettre la tête sur Forest, malheureusement il se retrouve déjà en 1v2, il n'a plus de HP, et c'est Xist qui va prendre le double kill. Pour finir ce round, 4 à 1, on va récupérer la WAP, et on va le donner gentiment à Alu. Effectivement, et du coup, hein, ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour CHR qui ont tout simplement perdu le premier round d'achat de la partie. Ça ne présage rien de bon pour la suite de ce match, à moins qu'ils se réveillent tout simplement. Clairement, bon, après, ils n'ont pas perdu beaucoup non plus, hein, ça n'a pas été un rep, ça s'est fini en 2v1. Donc, on sent qu'il y a quand même des possibilités pour CHR, on a vu notamment avec les entry kills qui ont été pris. Malheureusement, là, on agresse ce site bombé. C'est déjà Adren qui va quand même prendre le kill sur Get Right, mais c'est Freiberg qui va s'occuper de faire cramer, de faire frire, si je puis me permettre, Mou. Et du coup, on se retrouve déjà en 4v3, mais Adren n'a plus que 4 petits HP. La reprise qui va s'avérer impossible, surtout que Kutcher va tomber sous les balles de Xist. Forest se faire tomber deuxième. Il ne reste plus qu'Adren. Il ne reste plus même personne, en fait. Forest se faire tomber Adren. Du coup, 5 à 1 pour les NIP. On va repartir sur un round d'achat des deux côtés. Mais on est riche, hein, clairement, du côté des NIP, là, on voit 7K, 3K, 12K, 13K et 10K. C'est juste la banque suisse, là, c'est juste n'importe quoi. Alors que de l'autre côté, on a décidé de sortir un setup double AWAP sur Angel et sur Mou. Effectivement, et à voir si ça va payer, hein, ce setup double AWAP. Ils en ont besoin, en tout cas. Ils ont besoin de mettre plus de rondes.
ça serait triste de revoir un no match, hein, parce que c'est le terme que j'ai vu pas mal dans le chat tout à l'heure, un no match entre Sacha et Senip. Cependant, c'est Mou qui va prendre déjà le bon intri sur Forest. On est en 5v4. Angel qui n'a plus que 15 petits HP. Clairement, on a l'avantage du nombre. Hein, avec ce très bon kill qui est pris par Mou. À chaque fois qu'il a son AWP, il prend ce premier kill. Du coup, il va reculer un petit peu. On commence à agresser cette corniche pour l'instant. On se jette pas, hein, mais on a un joueur qui s'est avancé. C'est Freiberg qui s'est avancé pour essayer de bloquer toute avancée CT. Totalement, alors qu'on a laissé cette bombe hein, au niveau de cette corniche, on a bien envie d'agresser ce site bombe A. On a vu que ça passait, que ça passait même plusieurs fois. Alors qu'on a des Gatrite qui va passer par ce spawn city. Et ça, c'est clairement une bonne idée puisque Kusher ne s'y attendait absolument pas. Il va donc tomber très rapidement. On est en 3v4. Mou qui va donner un très très bon coup d'AWAP sur Xist. Mou, double kill sur Gatrite. Gatrite qui a été un peu naïf, qui a décalé avec son pistolet. Dozia sur Freiberg. 1v4. Il ne reste plus qu'à lui avec son AWAP. Et Mou, c'était même pas son double kill, c'est son triple kill. Il en avait pris un en tout début de round, on se rappelle, avec son AWAP. Du coup, voilà, à lui qui va tomber sous les balles de Dozia. Du coup, 5 à 2 en faveur de Senip. Les HR qui remontent, on va même récupérer le deuxième AWAP. On aime beaucoup cette double AWAP hein, du côté des HR. On a vu qu'il passait bien. Du coup, on va repartir dessus. Hein. Pourquoi changer une équipe qui. Pas qui gagne, mais qui se démerde plutôt bien. Alors qu'on est, on est clairement riche hein, du côté Nip. Hein. Sans problème, on peut racheter pendant encore au moins 2 voire 3 rounds si on perd. Effectivement, hein, on a encore des coussins de sécurité du côté terreau. Alors que pour le coup, hein, on joue très en contrôle map du côté de ces Nip. On va avoir un joueur au niveau de ce tunnel, deux au niveau de ce mid, même trois maintenant, puisque c'est lui qui va arriver avec son AWAP. Clairement, le duel qui n'aura pas lieu, hein. On a mis une balle du côté de Mou, mais on s'est escape tout de suite pour pas prendre de risque. Alors, on sait bien que quand on a décalé une fois à l'AWAP et qu'on a raté son shot, il faut jamais redécaler une deuxième fois, sinon c'est juste foutu, on est sûr de se prendre une balle dans la tête. Et c'est Angel cette fois-ci qui va rater, mais qui va remettre la deuxième, et cette fois ça va passer. Angel qui va prendre le kill sur Freiberg. On est en 5v4 à l'avantage de CCT. Effectivement, le setup double AWAP qui a donné clairement de l'air à CL Riser. Ça leur a permis de combler un peu leur faiblesse sur leur site bombe. Et clairement, parce que même s'ils arrivent à faire les reprises, CHR, malheureusement, on rentre trop facilement sur leur site bombe. Alors que là, on va déclencher. Et c'est Dozia qui apprend de double kill déjà dans cette longue. Du coup, on se retrouve en 5v2, même si on a deux joueurs très low HP. Hein. Mou n'a plus que 20 HP et Dozia 20. Mais c'est Kutcher qui a fait tomber Alu. Il ne reste plus que Gatrite qui a fait tomber Mou. Et il ne reste plus personne. Personne. Personne, bien sûr. Parce que c'est Kutcher, il me semble, qui a fait tomber. D'accord, qui a fait tomber le dernier joueur. Du coup, 3 à 5. On peut racheter hein, encore une fois ce qu'on disait pour Senip. Mais attention à ne pas perdre trop de rounds non plus. Hein. Effectivement, on va commencer à se retrouver sans argent du côté terreau. Le setup double AWAP qui fait clairement le taf actuellement. Hein. C'était clairement la bonne réponse aux agressions ninja. Maintenant, c'est Bombay qui va être, à mon avis, privilégié sur ce round par Senny, vu qu'on a Adren qui n'a plus que 19 petits HP dessus. On sait qu'on la poke. À la WAP, du coup, on a donné l'information et on a tout de suite un joueur qui s'est précipité pour essayer de le faire tomber. Malheureusement, on n'y a pas réussi du côté de Senip. Du coup, on reprend un contrôle du mid tranquille. Effectivement, on joue assez lent hein, ces temps-ci du côté de Senip. C'est peut-être pas la meilleure solution. C'est peut-être pas la meilleure solution. Il faudrait peut-être accélérer sur ces AWAP. Une AWAP, ça peut prendre un kill, ça peut prendre deux kills, mais ça ne peut pas en prendre trois. Surtout si on lui court dessus. Du coup, on est toujours en 5v5. Il reste un peu moins de 45 secondes à jouer. Et on va passer par ce city du côté de Freiberg. On a clairement envie de faire une 3-2-B du côté de Senip.
Clairement, on est pour l'instant dispersé sur cette map. On a un joueur qui contrôle le city spawn. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de rotate. On a Xist et deux joueurs qui sont dans le mid. Mais c'est Xist qui a mis directement la tête sur Adren. Il n'avait plus que 20 petits HP. Angel qui a pris deux kills sur Alu. Freiberg et Getra qui vont prendre des kills sur Mou et Angel. On est en 4v2. Ça s'est passé très très vite. Ça s'est passé trop vite pour les HR. Du coup, 5, 6 même à 3 probablement pour les NIP. À moins d'un comeback assez incroyable. Une reprise de site bombe juste superbe. Effectivement, mais attention, on a quand même Kusher qui n'a que 40 petits HP. Et Dozia qui, qui va mettre la tête à Dozia. 1v3, et donc Kusher qui va aller économiser son AWAP. Il va quand même se permettre de prendre le kill sur Get Right. Il va ensuite aller se cacher au fond de ce pit. Alors Dozia qui n'a vraiment pas eu de peau, hein. C'est vraiment été une question de timing ce kill. Il s'est retourné une demi-seconde avant que, il me semble que c'est Freiberg sorte de la window et du coup bah ça a pas raté, hein. Il s'est pris deux balles dans les côtes et du coup ça fait 6-3 pour les NIP. On va pouvoir racheter encore une fois du côté de CL Riser, même si on va être obligé de sortir du FAMAS dans le tas. On va ressortir le setup double AWAP chez CL Riser, espérer qu'il paye un peu plus que sur le round précédent. Effectivement, ce setup double AWAP qui fait clairement le taf du côté de CHR. Maintenant, bon, on a perdu en ronde 6 à 3. Alors que du coup, on a accéléré sur ce site bombe B. Et ça, c'est clairement une bonne idée. Hein. C'est Getright d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Adren. On est en 5v3. Getright qui va prendre le double kill sur Angel au niveau de cette porte. La bombe qui va pouvoir être posée. On a accéléré le jeu sur ce round du côté de Cnip. Et ça a clairement payé. Ah, clairement, on a changé de rythme, mais ça a été instantané. Hein. Les HR qui ont rien pu faire sur sa défense. Là, c'est Dozia qui va prendre le kill sur Get Right. Alu qui va prendre le double kill sur Mou et Dozia. Il ne reste déjà plus que Kutcher. Kutcher qui, cette fois, ne pourra pas aller écho parce que c'est Xist qui attendait dans cette GA et qui va prendre le kill. Du coup, 7 à 3 pour ces NIP. C'est dommage pour ces HR. Hein. Ils ont senti commencer à revenir et ils sont pris deux rounds un peu rectes et du coup, ils sont complètement replongés. Totalement, et du coup, ils vont être en écho. Ça, c'est le 8 à 3. C'est NIP qui sont vraiment très très en forme aujourd'hui. Alors que du coup, Adren se retrouve déjà à 17 petites HP. On a décidé de partir sur ce site bombé du côté des NIP. Et on y allait. La performance Angel existe le kill sur Adren. Effectivement, on a un peu couru, un peu sans trop utiliser de stuff. On savait que c'était de l'écho. C'était très très. Ils sont sortis. J'ai envie de dire qu'ils sont sortis un peu comme des silver. Bon, je parle juste sur leur sortie, sur leur entrée du BP. Je veux dire, ils sont entrés un peu comme des silver, c'est-à-dire sans stuff, sans rien. Boom, direct, on rush dans le tas. Et c'est clairement passé. Hein. On savait que c'était une écho en phase, donc aucun souci à se faire. Du coup, ça fait 8-3 cette fois. On va pouvoir sortir qu'un seul AWAP. On le mettra sur Mou. 8-3, si les HR peuvent mettre encore 2. Ce serait correct parce que là on sait qu'ils en mettront pas 7, hein, ils mettront clairement pas le 8-7 sur ce side, donc s'ils pouvaient en mettre encore 2 ce serait plutôt pas mal et plutôt salvateur, j'irais. Bah, ça leur donnerait un peu d'air, hein, tout simplement. Sinon ça risque d'être très compliqué si on se retrouve en 12-3. Le gun round déjà qui sera très très important pour CHR. Du coup on a ressorti la WAP sur Mou. Qui est au niveau de cette corniche. On joue tranquillement, hein, du côté de Cnip. Hein. On a décidé de revenir à un rythme un peu plus lent. On a quand même un joueur qui est déjà au niveau de cette GA, ça existe. On a très bon boost sur Kutcher. On a très bon boost sur Kutcher qui va pouvoir prendre le kill sur Get Right. Non, il va se rater, il va le laisser à 50 petits HP. C'est Dozia qui va le terminer d'une balle dans la tête. Du coup, 5v4 en faveur de CHR. On va se décider, on va finalement agresser cette longue du côté des NIP. Le stuff qui va être lancé. Le problème c'est qu'on a du monde à la réception, on a deux joueurs, un joueur dans le city spawn. C'est Mou justement qui va prendre le kill sur Forest. On se retrouve déjà en 5v3 en faveur de CHR. C'est la bombe qui va pouvoir être posée. Maintenant ça risque d'être un peu compliqué pour ces NIP. Cependant, on a quand même à lui qui fera tomber la WAP DHR à Camou. 3v2, Freiberg sur Angel directement, instantanément en revenge par Adren. CHR qui doivent absolument faire cette reprise et qui doivent absolument la réussir.
Le problème c'est qu'on a, on check pas le corner, hein, et il y a un joueur ici, c'est bon. C'est Dozier qui va réussir à le faire tomber. La bonne smoke. Le problème c'est que la bombe est derrière lui. La bombe qui va pouvoir être diffuse. Hein. On a un duel d'AWAP entre Alu et Dozier. C'est Alu qui va toucher en premier. Alu qui va rester à 4 petits HP. Pardon, c'est Dozier qui a touché en premier. Hein. Alu qui va rester à 4 petits HP et qui va réussir à s'escape, mine de rien. 8 à 4. CHR qui se remettent dans la partie. Ils n'ont pas un cycle éco incroyable, mais on peut racheter sans problème full M4 et un AWAP. Alors que de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, voilà, c'est, on a clairement de l'argent. Ouais, c'est au frais de la princesse là à ce niveau-là. Hein. On a du 10K, du 11K, du 7K, etc. C'est juste incroyable la thune qu'ils ont. Totalement, alors que du coup, hein, du côté de ces risers, on a compris qu'on n'allait pas prendre cette OGA, ça ne servait à rien, on avait mou avec son AWAP qui fait le travail, d'ailleurs il va prendre déjà le bon entry sur Freiberg, qui est allé un peu tout seul, qui du coup s'est un peu donné, on est déjà en 5v4 en faveur de CHR. CHR qui font quand même des bonnes défenses de BP face aux agressions de Sénip. Clairement, mais on voit que Nip, on se précipite pas qu'on prenne l'entry ou qu'on se prenne l'entry. On se précipite jamais, mais là c'est Forest pardon, qui va prendre le kill sur Dozier. Du coup, on va sortir au niveau de cette corde. On a été vu. C'est Mou qui va prendre le kill sur Forest. Mou qui va tenter un deuxième traverse smoke, mais ça ne va pas passer. Du coup, on se retrouve en 4v3 à l'avantage de CHR, mais on est rentré sur le BP. On a lui qui s'ébousse hein, sur la voiture. 4v3, reprise de BP à suivre pour CHR. 4v3 et c'est Getright qui va mettre déjà la bonne première tête sur Angel. 3v3 à suivre Adren sur Getright. 3v2 hein, mais Mou qui n'a plus que 1 HP pour faire chier l'autre, ça fait pas beaucoup. Et c'est Adren et Kutcher qui ont prendre les deux derniers kills. Du coup la bombe qui va pouvoir être diffuse, les 5 rounds dont je parlais tout à l'heure ont été mis par CHR. Et pourquoi pas, le 6ème, voire, je m'avance un peu, mais voire le 7ème. Ça pourrait être vraiment pas mal. Effectivement ça pourrait être plutôt pas mal pour eux. Après, de toute façon, le deuxième gun round qui sera très important pour les deux équipes dans les deux cas. On va pouvoir racheter, bien évidemment, du côté des NIP. Mais on commence à avoir un peu moins d'argent. Ouais, c'est clair que l'argent commence un peu à disparaître. Heureusement, je vais dire c'est normal parce que même si le cycle terreau monnaie est plus gentil, on va dire. Faut quand même qu'il y ait un moment où on arrête de déconner et que l'argent finisse par baisser. Alors que c'est Adren hein, qui se retrouve déjà à 30 petits HP. Il est sur ce BPB, il s'est encore fait poc. Il se fait poc quasiment à chaque fois qu'il passe dans le mid hein, en début de round. Hein. Effectivement, il commence très souvent ses rounds avec 50 ou voire moins, même moins de HP. À lui qui va prendre déjà le bon entry sur Angel. On est en 5v4 en faveur de Sénip. Attention quand même, hein, puisque si on perd ce round, on n'aura pas énormément d'argent du côté de Sacher pour le dernier round de ce side. Ouais, clairement, hein, mais en plus on voit, voilà, c'est Getrak qui a pris sur Gutcher, même si on sait que Forest est low HP. Le problème c'est qu'il va se jeter dans sa propre mollo. Heureusement, il va pas mourir, c'est Getrak qui va prendre le kill sur Mou. Dozier qui va arriver sur Getrak instantanément. On est en 4v2, on a Forest qui n'a plus que 15 petits HP. Mais c'est Xist qui va prendre le kill sur Dozier. Adram qui va tenter de s'escape, le problème c'est qu'il est complètement encerclé. Et il va tomber sous les balles de Xist. 9 à 5 pour Sénip. Et on va ramasser un deuxième AWAP pour tenter le setup double AWAP du côté de Sénip. Alors qu'on va être obligé de faire un force buy dégueulasse pour CHR. Et totalement, et ça ça veut quasiment dire le 10-5 en faveur des ninjas. Les HR qui ont des périodes dans ce match. Ils ont des périodes où ils vont mettre deux rondes. Puis ça va s'arrêter, ils vont se faire courir dessus. Puis ils vont remettre en ronde. Puis deux rondes. C'est Sacha qui sont vraiment pas constants au sein même d'un seul match. Alors que c'est Freiberg déjà qui va prendre le bon entry sur Dozia. Get right. Sur Angel, on est déjà en 5v3. 5v2, Forest sur Adren. Adren qui a des cales. Pour essayer de prendre un kill au niveau de ce tunnel, ce n'est absolument pas passé. On est déjà en 5v1, il ne reste plus que Mou. 10-5 à la fin de ce side. Ouais, à moins d'un ace incroyable au 5-7. Alors si c'est ça, voilà. Et, yeah, il va quand même prendre un kill sur Freiberg. Il va prendre un deuxième kill même sur Forest. Du coup 3v1, mais voilà, il va tomber sous la balle d'AWAP d'Alu. Et de toute façon, il y avait Xist qui lui arrivait dans le dos.
Du coup, 10 à 5 en faveur de Senip. Très bon side de leur part. Totalement, hein, de très très bons sides de leur part, les HF qui ont du mal. Clairement, par rapport, on va faire une petite comparaison, mais par rapport au match d'avant avec l'Envy, où l'Envy ont été inexistants durant tout le long de la partie, là, les HR se défendent. Ça reste NiP en face, et du coup, ça reste une des meilleures équipes du monde, mais ils se défendent. Alors que du coup, hein, on est en train de discuter dans le chat pour savoir si D2 est une map terreau, si c'est une map CT. De mon simple avis, c'est une map équilibrée. Mais du coup, Alexou, tu as tout à fait raison. Ça devrait faire un 7-8 pour les NiP si les HR jouaient bien. Les HR ne jouent pas mal, mais c'est un peu compliqué. Ah, et déjà, Gatra qui va se faire poke à 2 tout piti HP. Et moi, pour ma part, si je donnais mon avis, je dirais 55-45 terreau. Et ça va être plus pour les terreaux parce que les prises BP sont assez simples. Puis après, la défense est galère, surtout sur le site bombé. La reprise, pardon, est galère sur le site bombé. Alors que du coup, on est parti sur une agression en A. Hein, et c'est Dozier qui va faire tomber Gatrite. Du coup, on se retrouve en 5v4 à l'avantage de cet héros. La bombe qui va être plantée, ça c'est toujours bien. On a planté pour cette corne. Totalement, c'est une très très bonne opération ce que nous ont fait les HR. Maintenant, il faut qu'ils tiennent leur site bon. Pour l'instant, c'est Angel qui va prendre la tête. Existe Kusher sur Forest, le Gunrun qui va partir en faveur de ces NiP, de ces HR plutôt, bien évidemment. Et même, ils vont faire un petit perfect. Alors que du coup, oui, le changement de side a fait planter, donc le streamer, ça va revenir tout de suite. Hein, moi aussi, en fait. Moi aussi j'ai planté, c'est le principe des changements de side comme ça. Alors que du coup, hein, du côté de CHR, on a choisi de sortir, deux MAC-10 et deux AK, et on est resté sur un peu de 250 Kevlar casque avec du stuff pour Dozia. Du coup, normalement on n'a pas forcé le bail, hein, clairement du côté de Senip, on est resté. On a sorti quelques petits flingues, mais rien d'incroyable. Alors que du coup, normalement, ça devrait faire un 17 en faveur, 10 à 7 en faveur de Senip sur ce round. À moins d'un écofis, bien sûr. Effectivement, mais ça commence plutôt mal pour eux, hein, si on peut dire, puisque c'est Angel qui va mettre la tête à Freiberg. On est déjà en 5v3, Angel double kill sur Forest, le site bombé qui est complètement free. La bombe qui va pouvoir s'y diriger et très rapidement, qui est encore au niveau de ce mid. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, le round qui va partir en faveur de CHR, 10 à 7 à la fin du timer. Surtout que là, on a Adrien qui est très bien placé pour faire beaucoup d'argent. Adrien qui a déjà 600$ sur le dos de Alu, enfin sur la tête de Alu plutôt. Et hop là, il va se faire Adrien qui a 600$ à son tour. Et Dozia qui va prendre le kill lui au pistol sur Xist. Du coup, 10 à 7 comme prévu. On va pouvoir acheter du côté de CHR, on va garder l'écho, je pense, du côté de Senip. Du coup, il n'y a pas de raison d'acheter plus, hein, du côté HR. Peut-être que Dozia devrait au moins prendre un PM. Ça me paraîtrait la bonne idée, mais bon. Non, face à des pistolets, c'est pas très très important. Il préfère économiser son argent et il a plutôt bien raison. Du coup, nouveau round, dernier round d'écho de la part de Senip. Avec Freiberg qui a déjà se retrouvé à 12 petits HP, hein. Freiberg qui se fait poker à chaque fois. Et c'est Mou justement qui va se faire 600$ sur le dos de Alu. Du coup, on est déjà en 5v4 avec des joueurs qui descendent, dont la vie descend très vite. Hein. Xist qui n'a plus que 10 HP, Freiberg 12 HP. On roule normalement sans problème. Pour sa charge, justement, c'est Mou et Adrien qui vont prendre les Mou qui va même prendre un double kill sur Forest. Angel qui va prendre le kill sur Gatrite. Du coup, perfect de la part de sa chair. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et beaucoup de bien au portefeuille. On va pouvoir acheter un. Et premier round d'achat donc de ce side. Effectivement, petit fun fact de ces trois premières rondes, les HR ne sont pas tombés une seule fois. Ils ont fait trois perfects à la suite.
Voilà, c'était le petit fun fact du side. C'était Monsieur Culture. Alors que. Avec le petit générique à la génial. Vas-y, je t'en prie. Continue. Alors que du coup, hein, premier round d'achat à suivre de la part des deux équipes. On a pu sortir la WAP sur Alu. A voir si ça va payer. Alors qu'on a d'ailleurs un joueur qui a sauté au niveau de ce City. Adrien cependant qui va prendre le bon double kill sur Forest existe. On est déjà en 5, en 4v2. L'équipe qui s'enchaîne très rapidement Get Right sur Adrien, Kusher sur Freiberg, Kusher double kill sur Get Right. Il ne reste déjà plus que Alu. Alu qui va donner un bon coup d'AWAP. Mais la bombe qui va être posée et Alu qui va devoir aller économiser son arme. Clairement. Alors que pendant ce temps-là, on a. 19 à la fin du round. Ouais, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, c'était pas volontaire. Mais on a Omalley du coup qui demande dans le chat. Les casters, vous pensez quoi de cette équipe des HR? Je trouve qu'ils sont vraiment en forme en ce moment. Alors, ouais, effectivement, hein, les HR qui sont vraiment en forme en ce moment. Et puis surtout, on sait que c'est une équipe qui aime aller embêter les grands. Et ils sortent régulièrement des gros matchs contre les grosses équipes. Ouais, non, bien sûr que c'est une petite équipe, mais je veux dire par là que voilà, c'est pas une équipe qu'on voit régulièrement dans les finales, dans les tops, etc. Mais c'est une équipe qui aime bien aller embêter ses Fnatic, ses NiP, les grosses équipes comme ça. Alors que du coup, hein, on est obligé de repartir en écho à faveur de ces NiP et probablement l'égalisation hein, de ces HR. Effectivement, à la fin de ce round, à moins d'un très bon round de ces NiP, c'est l'égalisation. Tout est possible encore pour ces HR1, hein. Ils peuvent même gagner malgré leur premier save plus que passable. Clairement, alors qu'on a déjà Freiberg hein, qui s'est fait poke à 25 HP avec son scout de sortie. Du coup, on va pour l'instant se mettre à deux joueurs dans le mid, un dans le lower. Et on a deux joueurs à circuler, mine de rien. La bombe va être récupérée, on va avancer tranquillement avec, hein, on a tout son temps. Ah, c'est 1 minute 13. Le problème c'est surtout qu'on a Mou qui n'a plus que 30 HP mais c'est Dozia qui va prendre le premier kill sur Forest. Ensuite on a Get Right qui va se faire POC à 30 HP. Adren sur Xist on est déjà en 5v3. Kusher sur Alu. Bon, le round hein, qui va donc bien évidemment partir en faveur de CHR. Et du coup CHR qui revient donc à égalité avec ses NiP. Et ça c'est la très bonne opération. Hein, de CHR qui ont déjà mis en fait le double de round de ce qu'avait mis l'Envy au match précédent. Alors peut-être que comment dire, donc soit on peut dire que le match des Envy leur a servi à au NiP d'échauffement, mais en même temps on peut aussi leur dire que peut-être que ça les a un peu endormi ce non-match qu'il y a eu avant, et du coup ça pourrait expliquer leur état de forme sur ce match, alors qu'on a décidé de sortir un setup double AWAP hein, du côté de CNIP avec Alu et Forest à la baguette. Effectivement. Et juste un hein, Genai qui nous dit c'est marrant le commentaire du caster. Il y a eu exactement la même réponse quand ils ont parlé de TSM il y a deux jours. Ils aiment bien embêter les grosses équipes. Mais c'est totalement ça. C'est à peu près le même fonctionnement HR et TSM. Ils aiment beaucoup embêter ces grosses équipes. Et surtout que les TSM, je trouve personnellement, sont en train de monter en puissance de manière juste géniale pour eux. Ouais, clairement, non mais oui, effectivement, quand je dis ça, c'est vrai qu'on a des équipes qui dans des matchs sans grand enjeu, face à des équipes moyennes, voire basses, n'ont rien d'exceptionnel. Alors que dès qu'il s'agit d'une grosse team en face, ils sortent des matchs assez incroyables, des comebacks de fou, ils font des clutches, ils font des reprises de BP géniales. Et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on voit régulièrement ça, notamment sur les HR, sur les TSM effectivement, et puis sur 2-3 équipes aussi, les Titans qui aiment bien, bon en ce moment c'est pas trop ça, mais il y a une période où ils aimaient bien aller chercher les Fnatic notamment, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, alors que là on a déjà Freiberg qui au prix de 40 HP a fait un premier kill, même fait un double kill en fait, sur Adren. Dozia qui va tomber sous les balles de Xist, Xist pardon, qui va tomber sous les balles de Dozia, autant pour moi. Le problème c'est que Dozia n'a plus que 9 petits HP, et qu'on est en 4v3. Effectivement, et on est même plus qu'en 4v1. Comme je l'ai lu dans le chat, c'est Deat Coca qui nous disait oui, enfin un entry kill de la part de Zenith. Effectivement, Freiberg qui aura fait un bon double kill. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle pour Zenith. Ils ont peut-être trouvé le moyen d'empêcher ces agressions HR.
Et pour répondre à Wazix, dis-nous, t'as combien de RAM et t'as quoi comme, comment on appelle ça? Comme système d'exploit. Après ça, Ouais, c'est. c'est. Ouais, Oui, non, mais je il vais pourra prendre jouer avec peut-être. son PC, il pourra jouer avec son PC, c'est pas le souci. Ouais. Mais du coup, hein, on est en 5v5, on a sorti le setup double la WAP des deux côtés, pour le coup. On va en avoir une sur Mo, une sur Angel, une sur Forest et une sur Alu. On risque d'avoir pas mal de beaux duels. Alors que pour l'instant, on est en train de jouer assez en contrôle map hein, de la part DHR. Cependant, c'est Freiberg qui va prendre le bon premier kill sur Angel. On est déjà en 5v4. Il reste 50 secondes à jouer. Clairement, là on entend encore hein, du côté de la chair, on panique pas, on a pris on s'est pris le premier kill, mais on panique pas, le problème c'est qu'on a un joueur sur la voiture qui tient très très bien la ligne, il me semble que c'est Alu. C'est de le choper, ouais c'est Alu qui a la ligne sur cette corniche. Du coup il va falloir décaler comme il faut et avec le bon stuff. Voilà, c'est Mou qui va décaler comme il faut justement. Alu et du coup on se retrouve en 4v4, on a investi ce site bombe A. La bombe qui va pouvoir être implantée, mais attention on a un joueur qui arrive dans cette GA et on a 3 joueurs dans le site qui spawn. Effectivement, un Getrite qui est présent là, qui est sur le site bomb. Freiberg sur Mo, Getrite sur Adren, directement Revenge par Kusher, on est en 3v2. Attention, parce que là, on est en train de tomber assez facilement du côté de Sacher. Xist sur Kusher, Xist double kill sur Dozia, 12-10. La bombe qui est posée, mais qui n'arrive plus à être défendue. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on se donne un petit peu à partir du moment où on a posé la bombe. On se donne un petit peu, faudra peut-être penser à jouer plus le temps parce qu'on a l'impression qu'ils cherchent à faire tomber les joueurs. Mais le problème, c'est qu'en face, c'est les nips donc il faudrait voir à jouer le temps plus qu'autre chose. Alors que du coup, on va ressortir un AWAP seulement, un AWAP unique, je veux dire, du côté de CHR tandis qu'on ressort le setup double AWAP du côté de ces nips. 12 à 10 pour les nips et le problème, c'est que s'ils prennent ce round, les HR, ça va être très très mauvais pour eux. Effectivement, hein, il leur reste peu d'argent finalement. Il leur reste 3K, 2K, 1K à peu près en argent. Ils pourront peut-être acheter un nouveau round. Mais s'ils les perdent, eh bien, on arrivera très très rapidement au draw avec plus d'argent dans les poches. Et alors que c'est Adren, cependant, qui va déjà prendre la tête de Xist, Kusher sur Getrite, Alu, Freiberg et Alu, encore une fois, qui vont chacun prendre des kills. Alu déjà triple kill, Freiberg qu'un seul kill. Il nous reste plus que Mou Mou avec condamné à son AWP. l'exploit hein. Sauf Et que il c'est explore rien Freiberg du qui va tout. lui mettre la tête. Freiberg qui va lui mettre la tête. Mou qui n'a rien pu faire face à son adversaire. 13-10 en faveur de Senip. La seule chose qui est en train de sauver les HR, c'est qu'actuellement il pose la bombe à tous les rounds. Ouais, c'est clair hein, c'est uniquement ça qui les sauve dans leur économie. Malheureusement ça va pas être c'est pas infini, surtout qu'ils sont déjà à 13-10. L'argent a commencé à manquer, je sais même pas si on va pouvoir sortir un AWAP à ce round-ci. Si, si, quand même, Si. Dozia va pouvoir dropper un AWAP et pareil pour Kutcher, c'est-à-dire Kutcher qui va s'en charger. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à défendre ce site bombe A, hein, faudra peut-être changer et passer sur ce site bombe B qui est plus simple à défendre une fois qu'on est rentré dessus, qu'on a posé la bombe. Effectivement, alors que du coup, hein, on a toujours notre setup double AWAP du côté de Senip, hein, toujours sur Forest et Alu. A eu d'ailleurs hein, qui a pris une ligne très avancée soutenue par Xist au niveau de cette corniche. Forest qui va rater son premier coup d'AWAP, ça va le laisser à 15 petits HP à lui cependant, qui va prendre le bon kill sur la WAP DHR, c'est-à-dire Mou. On est en 5v4. Ça commence à vraiment ne pas sentir bon du tout pour CHR, CHR qui sont en train de s'écrouler au fur et à mesure que les rounds avancent. Ouais, clairement, on sent que les HR atteignent leur limite sur ce match en tout cas. Ils ont fait de très bons rounds, ils ont montré de très belles choses. Malheureusement, voilà, ils arrivent à une période où là ils sont plus ils arrivent plus à faire ils arrivent à prendre des entry kills, ça qui est étrange, ils arrivent à prendre des entry kills, mais malheureusement, ils tombent comme des mouches. Là, c'est Ketra qui va prendre le kill sur Kutcher et ça ne doit pas être Revenge alors qu'il y avait un joueur juste derrière lui. Voilà, les kills qui restent impunis, etc. Du coup, on va encore agresser ce site bombe A. Je comprends pas pourquoi on s'obstine sur ce site bombe A alors qu'on a vu que ça marchait pas et c'est surtout Alu qui va prendre le kill sur Dozia.
Alu qui va tomber sous les balles de Adren. Adren qui réussira quand même à prendre un double kill. Et du coup, ça se transforme en 3v2 seulement. C'est HR qui peuvent encore le faire. C'est HR qui peuvent le faire, mais voilà la bombe qui est posée. Angel qui va faire tomber Freiberg. On est en 2v2. Getright qui va mettre une grosse tête à Adren sur le site bombe. Il ne reste plus que Angel. Angel au niveau de cette corniche. Clairement, la bombe qui a été plantée, qui a bien été plantée, hein, parce qu'on peut pas mettre un joueur pour couvrir. Du coup, il faut vraiment qu'il joue le temps. Hein. Faut et pas c'est qu'il terminer. Calme comme ça pour rien. Effectivement. 14-10. CHR qui se sont écroulés. Voilà, tout simplement. Hein. CHR qui se sont écroulés, qui avaient réussi à remonter au score. C'était très très beau. Le problème c'est que leur setup double AWAP ne fonctionne plus. Leur AWAP n'arrive plus à prendre de kill, ni à prendre des intrigues, ni même ne serait-ce qu'à toucher un adversaire. Ça va être très très compliqué. Ah, clairement, surtout que là du coup on a plus le point fort de Mousse, c'est-à-dire l'AWAP dans ce setup, alors qu'on en a deux en face chez Cnip. Et là, il va falloir clairement prendre des intrigues, il va falloir peut-être penser. Va peut-être vraiment falloir songer à agresser ce site bombé. Le problème c'est que pour l'instant on ne bouge pas. Après on est bien attendu à sortir cette GA, on a vu le joueur s'avancer. Et justement c'est Cutcher qui a pu venir Getrai qui a tenté de s'avancer. Un peu facile dans son esprit là, un petit peu facile. Du coup on est en 5v4, on a l'avantage 5v3, mais on a l'avantage d'Hellraiser. Parce que c'est Mookie à prendre de kill sur Forest. Et si les HR se réveillaient maintenant, ils peuvent clairement le faire, ils sont en 5v3. Ils n'ont pas perdu le moindre HP pour l'instant. Il faut se dépêcher d'agresser un Sidon et il faut bien choisir. Effectivement, et Kusher d'ailleurs qui va prendre le bon kill sur Xist. Adren qui va juste décaler la WAP d'Alu de manière parfaite. Du coup, il va le faire tomber. Il ne reste déjà plus que Freiberg avec 99 HP. Très très bon round de la part de CHR. Freiberg cependant qui prendra quand même le kill sur Adren. Mais Getright qui a été juste beaucoup, beaucoup trop naïf. Getright qui a décidé d'agresser cette GA tout seul, sans checker, en courant. Il est allé juste se suicider sur CHR. Et c'est exactement ça au Malette. Hein. Ils sont trop instables dans leur game. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils vont se prendre plein de rounds, puis ils vont en mettre quelques-uns. Puis ils vont en reperdre. Mais le problème, c'est que s'ils remettent 2 à 3 rounds derrière les NIP, ils vont en mettre 4, 5, 6. Du coup, ça fonctionne pas. Hein. Ah, clairement, alors là, on a déjà pris Mou et Adrien qui ont déjà pris les deux premiers kills dans ce round. Du coup, on se retrouve en 5v3. Ouais, juste le problème, c'est pareil. C'est que quand on voit que Freiberg prend un premier kill comme ça, alors qu'il tente de save un AWAP, on se jette pas pour rien. Hein, c'est pas la peine. On sait que de toute façon, ils auront l'argent pour acheter derrière. Donc. Ça sert à rien de se jeter et de perdre des armes bêtement quand on sait que on a du mal à mettre les rounds. Alors là, c'est Getrai justement qui apprend de kill sur Angel. On se retrouve en 4v3. On a l'avantage du nombre et des HP du côté de CHR. Mais attention à ne pas tomber naïvement. Effectivement, attention, on a Getrai qui est bien positionné au niveau de ce fond BPA. 3v4, on va encore agresser ce site bombe A. CHR qui ne font que ça. Ils n'agressent que le site bombe A. Ça peut devenir problématique, ces Cnips, s'en rendent compte. Hein. Alors que c'est Getrai qui va prendre le bon kill sur Kusher. Il va se faire décaler. C'est Mou qui va faire tomber Xist Dozia sur Getrai. Il ne reste plus que Forest et c'est Dozia qui va le faire tomber. 14-12. Echo à suivre. Pas. Echo à suivre de la part de Cnip, ça devrait faire le 14-13. Attention, CHR qui peuvent encore revenir et gagner. Ouais, clairement. Après, le problème, c'est qu'il va y avoir un round d'armée où ils vont encore agresser ce site bombe A, les HR. Et le problème, c'est que les NIP vont avoir compris et ils vont être attendus, je sens, par un grand nombre, genre de 3 ou 4 joueurs. Et c'est le genre de choses qui peut coûter très cher. Il va falloir qu'ils varient un peu leur jeu. Ok, alors certes, ils mettent les rounds en passant sur A. Enfin, ils mettent les rounds. Ils mettent des rounds en passant sur A. Le problème, c'est qu'à un moment, faut varier son jeu, sinon on est lu, on est compris et on se fait rape, hein, clairement.
Effectivement, alors que du coup, on a laissé ce BPA à peu près complètement free hein, du côté de Cnip. On a un joueur dans cette EGA, c'est Alu. On a deux joueurs au niveau de ce spawn CT, Sexist et Getright. C'est dingue, hein, Attention. parce qu'on ouais, on sait qu'on est en écho en face et pourtant on joue très lentement du côté de CHR, on prend vraiment son temps. Alors Ah que ouais, là, on, clairement. le Sibomba ouais, pour l'instant est free, hein, les deux joueurs sont au city spawn. C'est peut-être maintenant que ce serait la bonne idée d'agresser ce Sibomba. Ah, c'est visiblement ce qui va être fait, voilà, on va se diriger vers cette corne et on va commencer à agresser. Et à lui qui avait tenté de contourner le problème, c'est qu'il était bien attendu. Du coup, 14 à 13 probablement à la fin de ce round. Normalement, ça devrait faire le 14-13 en faveur de sa, toujours en faveur de Cnip, mais c'est HR qui remonte. Non, ce qui est aussi étonnant, c'est que Cnip n'ont pas décidé de déclencher un bus pour essayer de faire tomber des armes, pour essayer peut-être même de mettre le kill, de mettre le round sur un coup de chance. On n'a que Getright finalement qui fera tomber Dozia. 14-13. Echo clairement pas War Site, hein. Quand on fait tomber qu'une seule arme, c'est pas terrible pour un Echo. Bon, on va pouvoir acheter un, mais le problème c'est qu'on va pas pouvoir sortir d'AWAP sur Alu, du coup 14-13. Et c'est les Razer qui peuvent encore largement mettre ce match, hein. C'est encore tout à fait à leur portée. Mais totalement, surtout qu'on n'a pas la WAP d'Alu. Alu qui, pendant quelques rounds, ces dernières rounds d'ailleurs, s'est un peu fait éliminer facilement. Il était clairement aux endroits où on l'attendait. Et du coup, on pouvait le décaler très rapidement et très facilement. Du coup, pas d'AWAP du côté de Cnip. À voir si ça va pas être problématique face au sniper de Mou. Bah clairement, après on a vu que Mou, sur les 4-5 derniers rounds, gagnait tous ses duels à la WAP, notamment cette décale corniche sur Alu qui était planquée sur la voiture. Du coup, je sais pas si dans tous les cas un AWAP sera très efficace. D'autant qu'on sentait un setup double AWAP pour l'instant hein, du côté des NIP et que ça ne passait pas. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'ils repassent tous au rifle. Ça leur permet des reprises de BP plus efficaces, je pense. Effectivement, alors que du coup, regarde encore une fois, qu'est-ce qu'on veut agresser? Eh bien, cette corniche, on va se permettre quand même d'avoir deux joueurs au niveau de cette EGA. Ça va être Kusher et Angel. Et je l'ai lu, hein, je viens de le lire. Go BLHR, c'est Antoine 27110 qui le dit. Et totalement, les HR qui ne font que du A, que du A, que du A, que du A. Je crois qu'ils ont dû faire deux agressions sur B. Alors que c'est Alu hein, qui va prendre le bon premier qui est sur Kusher, Angel sur Alu, Xist et Getright sur Angel et Adren, Dozia sur Xist. 2v3 à suivre, Getright qui n'a cependant plus qu'un seul tout petit HP, Forest sur Dozia. La bombe qui a été posée, Mou avec son AWAM, Mou double kill sur Forest et Freiberg. Attention de ne pas tomber, voilà, c'est Mou qui va faire ce petit clutch en 1v3. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a été très attendu sur site bombe A. Bon, on a réussi à le passer quand même, on n'a pas été puni. Mais attention à papier par orgueil, il faudrait peut-être voir à changer les gars un petit peu là de site bombe et se réveiller et mettre le site bombe B qui à chaque fois n'est gardé que par un joueur avec un dans le mid ou un qui rotate un petit peu entre. Non, tu vois, regarde, c'est bien ce que je disais, on a un joueur dans le mid et on a en général un seul joueur sur B. Et du coup, ce serait très facile d'y entrer, surtout que là, on est en écho du côté des NIP. Et c'est probablement le 15-14 hein, qui. Et le draw assuré au moins pour ces risers. Totalement, c'est le draw et c'est même peut-être même la map. Hein. Ça va être très très compliqué pour ces NIP sur le dernier round. Ils seront proches du cycle loser. On a eu un side très carré. Si tu regardes au niveau de ton tab. C'est pas des rounds qui se mélangent. Il y a 5 rounds HR. Il y a eu 4 rounds NIP. Maintenant, il y a eu 4 rounds HR. C'est par phase, en fait. C'est même pas serré, en fait. Le score en lui-même est très serré, mais c'est pas serré dans le sens où ça va être d'un côté ou de l'autre, mais on va le voir dès le début du round. Clairement, alors que là, c'est Adren qui apprend le premier kill sur Xist. Du coup, on se retrouve déjà en 5v4 à l'avantage
de CHR, mais si on va tomber en 4v4 parce que c'est Get Right. Et Forest qui vont prendre les bons kills sur Angel et Dozier. Forest qui va prendre encore le kill sur Adren. Forest sur Mou. Et. La banque qui n'est pas posée. Et c'est l'Ecofist qui va passer. Hein. Totalement, il ne reste déjà plus que Kusher. La banque qui ne pourra pas être posée de toute façon. C'est fini. Et même c'est Forest qui va le faire tomber. Et c'est l'Ecofist de la part de Cenip. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va avoir un dernier round assez intéressant. Enfin, dernier ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça va faire 15-15. Ah, clairement, ça peut très clairement partir en overtime. Ce serait pas volé de la part des Hellraiser. Hein. Il le mérite clairement. Il mériterait d'avoir cet overtime. Après, voilà, force d'agresser ce site bombe. Ah, on s'est fait punir. Hein. On s'est clairement fait punir sur un Ecofist. Ça aurait pu être sur un arme, mais ça s'est fini sur un Ecofist. Du coup, faut changer, faut se réveiller, faut passer, faut clairement passer ici de bomber. Regarde, il y a que deux joueurs dessus, alors qu'on est trois à attendre, à checker ce A. Le site bombé, c'est clairement la bonne occasion là. Il faut vraiment se décider à y aller pour une fois. Ouais, totalement. Hein, ce site bombe B qui est défendu, mais de manière assez lâche, hein, j'ai envie de dire. C'est Freiberg et c'est Forest, mais Forest qui s'occupe aussi du mid. On n'a absolument pas peur d'une agression hein, du côté de Cenip. On se doute forcément que ça va être encore du A. Ouais, clairement, je comprends pas cette strat des HR de se jeter constamment sur le site bombe A. Et là, c'est Adrien qui va en plus non seulement se jeter, mais cette fois-ci aussi T-spawn. Il était attendu par lui d'ici à prendre un premier kill au prix seulement de 40 petits HP. Mais c'est Angel et Mou qui vont prendre les bons kills de Revenge. Du coup, ça se transforme en 4v3 à la faveur de CHR. Getra qui va remettre les pendules à l'heure, 3v3, mais on est low HP quand même, on va tomber. Mookie va prendre le double kill sur Getright existe, et ça sent clairement l'overtime. Et ça sent l'overtime, et c'est l'overtime en faveur. Enfin, remporté par Sailrise. Ah, non. Pour moi, ça n'a pas planté. Moi non plus. Eureka. Alors que du coup, on va voir ce que ça va être comme type d'overtime. Effectivement, je me pose la question, est-ce que ça va être un MR5 16K ou un MR3 10K? Alors, je lis beaucoup hein, dans le chat, hein, Gonip, HR mérite de win. Pour le coup, je pense que les deux équipes ont clairement le mérite de win, même si HR a fait une excellente remontée. Clairement, HR a fait une bonne remontée, et surtout HR mérite de win dans le sens que voilà, c'est l'ENIP en face et que faire une remontée comme ça, mine de rien, c'est pas anodin. C'est ça. Et du coup, hein... Alex, tout à fait raison. Beau match, franchement. Dommage que la chair ne s'applique pas un peu plus, surtout quand la bombe est posée. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de rondes sur des diffuses parce que ils avaient pas forcément l'avantage numérique, ils l'avaient pas forcément non plus, ils n'étaient pas non plus en désavantage. Mais le souci, c'est que ils n'arrivaient pas à tenir leur site bombe. Clairement. Et pour répondre à Ayashi qui demandait, c'est quoi les matchs point staff? En gros, c'est des matchs de Virtus Pro Staff Cup. En gros, c'est un tournoi qui est organisé justement uniquement pour le staff des équipes et pas pour les structures des équipes et pas pour les joueurs pro. Du coup, voilà. Alors que visiblement, ça a l'air d'être un MR3 10K, il me semble, cet overtime. Il semblerait effectivement, hein, puisque on commence avec justement, tu viens de dire 10K. On va sortir le setup double à WAP tout de suite du côté de Cenip. On va bien sûr avoir la WAP sur Mou. Ouais, vraiment j'ai hâte d'en pousser les portes ouvertes, hein, je veux dire. Ça. Alors que c'est Freiberg hein, qui va déjà se faire poke à 7 tout petits HP. Et ça, c'est le genre de choses qui est décisif, surtout quand c'est en tout début de round comme ça. Mais bon, Freiberg il est tranquille, hein, il est sur le site bombé et on sait bien que le site bombé, bah, les HR ne le connaissent pas. Il va falloir leur expliquer un jour que sur TS il y a deux sites bombes. C'est bon, alors que du coup hein, on est toujours en 5v5, on tire beaucoup, hein, Adren va sur toi, 18 HP, Angel 20, Forest 20,
Freiberg 7, tout petit HP, et a lui 58. On Ça tire, mais partit très vite. aucun, ni l'un ni l'autre, ne prend les kills, mais ça va partir très très vite. Ouais, d'un côté comme de l'autre, là, la moindre balle qui touche peut faire 2 voire 3 kills à chaque fois. Donc, et oh ce... mais oui, serait-ce une agression en B qui se prépare? Effectivement, c'est assez étonnant, on va lancer une petite 3 de B. Mais c'est génial, c'est une agression en B qui se prépare. C'est incroyable, les amis, retenez ce moment. Je sais pas quelle heure il est, mais retenez-le. Les HR vont enfin faire une agression en B dans ce match. Même si c'est Forest qui Avant, va calmer ça la passe. drain. Et c'est Mou qui va prendre 2 kills sur Forest. Et Kutcher qui va prendre 2 kills sur Freiberg. Du coup, on est en 4v3 à la faveur de Sailriser. On est sur ce site bombé. La bombe qui va être plantée. Les CT sont à la reprise. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à garder ce site bombe de la part des HR? Effectivement, bah, le site bombe B a l'avantage d'être difficilement reprenable si on n'a pas l'avantage numérique. Et là, on ne l'a pas. On est en 3v4. Kusher qui va prendre déjà le bon premier kill sur Get Right, Xist, sur Kusher, Dozier, sur Xist. Et Angel qui va terminer sur Alu. 16-15 en faveur de Sacher qui mettent le premier round de ce premier overtime. Putain, et là, Yamou qui est en train de dire ça. Putain, les mecs, c'est incroyable. On est passé sur le site bombé et on l'a mis facilement. Oh, les gars, faut qu'on recommence. Et là, ils vont agresser plus que le site bombé, tu sais. C'est exactement ça. Alors que Antoine a tout à fait raison. Tellement que c'est étonnant qu'il n'y avait personne pour défendre. C'est presque ça. Hein. C'est, je pense que les NIP ont été aussi étonnés que nous de voir des joueurs au niveau de ce site bombé. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais pas eu chapeau en rouge, j'aurais dit Pierre et Loulou, mais bon. Alors que du coup, un nouveau round. Eh bien, on n'a plus le setup de la WAP du côté de CNIP. On a toujours cependant, bien évidemment, la WAP sur Alu. Une AWAP sur Mou. Et non, on va se refaire une agression en A. On a 3 joueurs déjà au niveau de cette corniche. On a un joueur qui est au niveau de ce mid. C'est Angel. Ça y est, le stuff est lancé. On va déclencher. Le problème, c'est qu'on a deux bonnes lignes. Mais la flash qui va être bien lancée, on va sauter directement au city spawn. Pour un joueur d'HR, c'est Adren qui va prendre le kill sur Alu. Mais c'est Xyz qui va revenge instantanément. Xyz qui va prendre le kill sur Dozier. Getrek qui va faire un full horrible sur Angelic qui va finir par le faire tomber. Xyz sur Mo. 1v3 avec un seul tout petit HP sur Kusher. Et voilà, c'est Forest qui va le faire tomber. On passe sur B, on gagne. On passe sur A, on se fait éliminer. C'est HR qui doivent absolument commencer à réfléchir que, et à penser le fait que les NIP ont compris qu'ils aimaient le A. Les mecs, on est passé sur B, qu'est-ce qu'on fait? Ça a super bien marché. Et ben on passe sur A. Ah bon, d'accord. Oui, c'est tout à fait logique. Mais du coup, puisque c'est un MR3, enfin, on va le remarquer très rapidement, hein, si à la fin de ce round ils n'ont pas changé de side, c'est que c'était un MR5 10K. Ça existe, hein? Tout peut exister. Ouais, remarque, je me dis, on est sur CS. Et du coup, hein, on a donc une AWAP encore de chaque côté. Et on va encore une fois agresser ce site bombe B, ce site bombe A. On va passer à 3 au niveau de cette corniche, de au niveau de cette JA. Sexiste qui va prendre le premier kill sur Mou directement en range par Adren en étant 4v4. Adren qui n'a plus que 43 petits HP cependant. Attention, ça va être difficile pour CHR. Bah oui, et le pire c'est que là ils auraient le temps de tenter une rotate et de repartir sur B, mais... Ils veulent pas. Ils veulent pas, je comprends pas. Même si là c'est Catcher et Angel qui ont prend des kills sur Alu et Freiberg, et Get Right, pardon, Freiberg. Non, Freiberg est déjà mort, enfin il est pas encore mort, il est pas encore mort, c'est ce que je voulais dire, mais ma fourche jusqu'à languer. Alors que c'est Adren qui apprend des kills sur Forest, et voilà, Freiberg qui apprend des kills sur Adren avant justement de tomber sous les balles de Angel. 17 à 16 en faveur de CHR à la fin de ce premier side de cet overtime, et ça sent bon pour CHR qui n'ont que 2 petits rounds à mettre en CT. Effectivement, mais ça va être encore compliqué. CHR qui mettent le premier round, ils vont sur B, ils passent sur A pour le deuxième round, ils se font écraser, ils retentent le A, ça passe.
mais ça passe difficilement. Et oui, River Fanboy V2, si tu regardes un peu CMTV, tu verras que la fourche à languer, c'est une expression que j'adore. Je dis tout le temps, dès que je me viande, je dis que ma fourche à languer. Voilà. Parce que ma loue, je sais même plus dire en vrai. Sérieusement, je sais même plus dire la vraie expression, c'est navrant. C'est Ma complètement langue a n'importe quoi. fourché. Tu ne sais donc plus Merci, parler. ma langue a fourché. Voilà. Ça. C'est alors que du coup, on va ressortir le setup double WAP du côté de CHR, une seule WAP du côté de Alu. En fait, j'ai l'impression que c'est ce site CT hein, qui appelle les setups doula parce qu'on ne l'a pas vu en setup, on l'a pas vu en site terreau ce setup ni chez les uns ni chez les autres. Alors que du coup, c'est Angel qui va déjà se faire poke à 30 HP. Angel, à chaque fois qu'il lance CT1, il commence le round à 30 HP. Et là, c'est Mookie à prendre le premier kill sur Freiberg, Adren, sur Getright. Du coup, on est déjà en 5v3 en faveur de CL Riser, même si Nick Forest qui va prendre 2 kills sur Angel, Adren, sur Forest, Alu, sur Mou. Du coup, on est en 3v2 à l'avantage de 3v1 même à l'avantage de CHR. Il ne reste plus que Alu qui va parfaitement décaler avec son AWAP. Le problème, c'est qu'il a un joueur qui lui arrive dans le dos. Est-ce qu'il va oser le cut? On Ce serait verra, on verra. très très drôle. Non, il va, Non, non, il non, va se jouer. évidemment, il ne veut pas risquer l'overtime et le round, du coup, 18 à 16. 8 à 16 et ouais. Les Ça peut HR être. qui ont la possibilité de terminer ce match maintenant en mettant le dernier round, et ils peuvent clairement le faire. Ils Ah, ils peuvent peuvent clairement le clairement le faire. faire. Ouais. D'autant que on est full stuff, on etc. À part Dozier, je sais pas pourquoi il a choisi de prendre un Kevlar simple plutôt qu'un Kevlar casse alors qu'il a l'argent. Bah, en face de toute façon, c'est des AK, c'est pas très grave. Une balle dans la Ouais, tête, c'est une balle dans la tête. mais tant qu'à faire, ça peut protéger, mine de rien, ça peut faire moins de dégâts quand tu te prends une HE dans les pieds ou te faire durer une seconde de plus dans une mollo, etc. Ça peut toujours être. On peut toujours. Enfin bref, du coup, on est toujours en 5v5. On essaye. Eh bien, je sais pas qu'est-ce qu'on va essayer du côté de Cnip, puisqu'à la moindre erreur, c'est la fin de ce BO3, de ce BO1 et de cet overtime. Alors que du coup pour l'instant on est stacké dans le mid, hein. J'ai l'impression qu'eux aussi vont se décider à agresser ceci. Bon bah, mais là c'est Freiberg qui va prendre le qui est sur Angel. Du coup, on se retrouve en 5v4 à l'avantage des nips. Et en 5v4, on le sait, c'est toujours à l'avantage de l'équipe qui a 5 joueurs. Et une porte ouverte Toujours. en français de plus. Alors qu'en plus, Exact. Moon n'a plus que 35 petits HP. Et on va jouer à 3 hein, au niveau de cette EGA. On a un seul joueur qui les attend, c'est Dozia. Dozia qui va prendre le bon premier kill. Il va pas prendre le deuxième. Il va se faire revenge par Forest. Kusher sur Alu. Kusher double kill sur Getright. Freiberg sur Mou. 2v2. Attention, c'est clairement jouable. Forest n'a que 6 petits HP. Et on a Adren qui est en train d'arriver par ce sas GA. Il va prendre le premier kill sur Forest. Il ne reste plus que Freiberg. Freiberg en 1v2 pour la win ou pour tout simplement avoir un round de plus avant peut-être avoir un deuxième overtime. Le problème, c'est On qu'on a a Kusher qui arrive. Kutcher qui est juste à ses pieds. Il ne l'a pas checké, il ne sait pas qu'il est là. Il va prendre le premier kill sur Adren. Et c'est Mais fait. c'est Kutcher qui va prendre ce round et du coup qui va donner la victoire au HR. Et je sais pas lire, hein, je vois Anton65 2000 kills dans le chat. Nip is big noobs. J'avais compris, Nip is big boobs. Je suis où là? Tout Oui va bien. aussi. Tout va bien. Alors que donc, du coup, une victoire hein, d'après un très très beau match des HR. Les HR qui étaient clairement pas favoris et qui ont montré, encore une fois, petite dédicace, qu'ils aiment aller embêter ces grosses équipes. Et du coup, Voilà. beau match, hein, clairement. Les Knicks qui ont en fait, qui se sont fait survoler lors de leur side CT, hein, ils ont été clairement en dessous. Du coup, c'est pour nous, c'est la fin du live de ce soir. Je remercie bien sûr Baron d'avoir cassé avec moi. On remercie bien sûr Merci à tous toi les aussi. viewers. On remercie tous les viewers.